C'est ici, en Basse-Guinée, que le premier vaccin a été testé en 2015. Un essai conduit par l'Organisation mondiale de la santé sur un panel de 6000 personnes et qui se révèle très prometteur. Ce vaccin semble très efficace et son efficacité a été prouvée dans cet essai à 100%. Il n'y a pas de cas parmi les personnes qui ont été immédiatement vaccinées. Zéro cas. En revanche, il y a 23 cas d'Ebola parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Nouvelle arme contre Ebola, le vaccin d'origine canadienne sera commercialisé par le laboratoire américain Merck, qui en a acquis les droits. Le processus d'approbation prend normalement une dizaine d'années, mais il pourrait être accéléré exceptionnellement et le vaccin arriver sur le marché dès 2018. En cas de nouvelle épidémie, 300 000 doses d'urgence pourraient être livrées avant même que le vaccin soit homologué. Seul inconnu avec cet essai clinique, sa protection sur la longue durée, les personnes testées ayant été vaccinées il y a à peine un an.